Salut à tous, je me présente, je m'appelle William, j'ai 27 ans. J'étais en train de lire mon journal gratuit du jour quand je suis tombé sur une publicité Carrefour en partenariat avec Jeannette Debouze qui nous propose à nous, la jeunesse française, de nous filer un petit coup de pouce afin de concrétiser un projet professionnel ou bien artistique. Passionné par l'univers de la réalisation et de l'écriture, j'ai pour idée de créer sous le format d'une web-série un programme court humoristique. Ce programme, que j'ai intitulé pour le moment Les Kidnappeurs du Bonheur, nous raconterait l'histoire d'une bande d'amis qui se sont décidés pour une fois dans leur vie de faire quelque chose d'utile et dans notre cas plus précisément, tenter d'égayer la vie de jeunes enfants ou adolescents souffrant de lourdes maladies et dont le quotidien se résume à mener un dur combat vers la guérison. Pour cela, cette équipe de bras cassés veut organiser par surprise à ses enfants une rencontre avec une personnalité ou une star dont l'enfant est fan. Se pose par contre un petit problème pour notre équipe de bienfaiteurs, ils ne connaissent aucune personnalité, mais alors personne, que dalle. La solution pour arriver à leur fin? Kidnapper les célébrités choisies par les enfants. Alors je rassure tout de suite, quand je parle de kidnapping, je veux plutôt parler d'un piège complètement stupide. C'est une série humoristique, je le rappelle, tout sera mis en scène, tout sera monté de manière complètement absurde. On veut kidnapper personne, je ne veux pas de problème avec la justice. Un épisode serait attitré à un enfant à la fois car il s'agit de faire des surprises au cas par cas. L'enfant malade reste le personnage principal et au-delà des sketchs scénarisés pour faire rire le spectateur comme la partie kidnapping, le programme aura surtout pour but de faire participer pleinement l'enfant à l'aventure. Bon, je ne vais malheureusement pas pouvoir trop m'étaler dans mes explications sinon je vais exploser la limite des 2 minutes fixées. Alors j'espère néanmoins que ce petit pitch vous a donné envie d'en savoir plus sur mon projet. Je vous remercie, vous qui avez regardé cette vidéo, et je remercie évidemment Carrefour et Jamel Debbouze qui nous ont donné la possibilité de nous exprimer et surtout qui nous laissent entrevoir une possibilité de réaliser notre projet. Merci. Et excusez-moi, j'ai la carte de fidélité Carrefour, y a moyen que mon dossier y passe en priorité ou...